téléspectateurs, bienvenue dans cette édition de Dernière Minute. Il se passe quelque chose d'incroyable ici. Nous sommes dans un quartier de prolétaires où il y a des balles qui crépitent, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il paraît qu'il y a deux gars qui se tirent dessus. J'ai un témoin là, on va lui demander tout de suite ce qui se passe. Chers amis, dites-nous un peu ce qui se passe par ici. Ouais, déjà, je m'appelle Paul. Ah, on s'en fout de comment vous vous appelez là. Dites-nous ce qui se passe. Vous ne connaissez pas cette sortie. C'est qui cette sortie? Oh, justement, ce matin, on était assis là et puis. Tu as vu l'heure? C'est ma grand-mère qui est la patiente. Oh, madame, parlez doucement, c'est quoi? Je sauvais d'autres vies, non? Vous pensez que c'est vous seul qui êtes malade dans ce pays? Tu sais où tu es venu ici? Tu sais à qui tu es en train de parler? Ça veut dire que si je voulais mourir, je n'ai qu'à mourir, quoi? Toi, tu es docteur, tu es quel genre de docteur? Patiente, donc faut être patiente. C'est quoi? Jésus! Il n'y a pas de malade à l'été, tu vas mourir seulement, hein? D'accord, oh. Tu vas me guérir. Quand tu as fini de me guérir, on va finir de régler ça là. Quand tu es quel docteur, même tu n'as pas de cabinet, tu te promènes. Tu te promènes chez les patients comme ça. C'est un docteur qui se promène de quartier en quartier comme ça là. Tiens, tu m'as ouvert un cabinet. Oula, quand tu vas guérir. En tout cas, okay. Ça va. Regarde, si ça allait là, tout ce que tu es en train de dire là, il y a longtemps j'ai sauté pour te têter. Il y a longtemps j'ai sauté pour te têter. C'est parce que je suis malade même que tu me trouves ici et puis tu es en train de dire bon, ça. C'est bon. Oh my god. C'est parce que je suis malade. C'est bon. Non, c'est le thermomètre. On ne touche pas. Faut pas me gâter mon truc. Et à peine. Si ça tombe, toi tu tombes. On va faire quelques minutes et je vais voir ce que tu as avec. Faut faire battre ton cœur, je sais pas, vous avez les gourmets, vos trucs bizarres, on n'entend plus rien souvent. Ton front, on dirait la voix inachevée qui est ici là. Oh my god. Ça va. Y'a quoi? Non, laissons le thermomètre finir son travail. Y'a quoi comme ça? Attends, y'a comme ça, sors la main. Laisse-moi ça. Ah, gang! Tais-toi, j'ai dit de sortir la langue pour que tu te testes, tu parles trop! Jesus is love! Si le thermomètre tombe, tu tombes! Docteur! Toi, tu es quel genre de docteur même? Ton docteur a son diplôme là! Regarde, ce que tu es en train de faire actuellement là, ça me plaît pas! Pou, ça fait 50 degrés. Hein? Hey, es-tu encore vivante? Regardez mon thermomètre. Madame, je m'en doutais. Quand je suis venu en même temps, j'étais vu là. J'ai dit, c'est la maladie là, ta mère. Le truc a dit non, vérifie pour voir. C'est hémorroïde. Jésus! Tu as hémorroïde, l'hémorroïde. Tu connais? Tu entends parler de ça? C'est ça, tu as. La jeune d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous mangez. C'est l'hémorroïde. Donc, toi, tu es parti jusqu'à. Tu es venu faire tout ça là. Tu m'as dit de sortir là, non, il est sorti. Tu as pris température 150 degrés là, c'est pour dire que j'ai mauvais. Et tu as quoi? Tu sais où j'ai. Qui t'a donné ton diplôme? Pardon. J'ai fait Award. Qui t'a donné ton diplôme? J'ai fait l'université de Award, tu connais? C'est pas Award du Sénégal, États-Unis. Pardon, j'ai eu le doctorat plus 15. Pardon, la note de consultation, je t'ai donné avant que tu ne viennes là. Il faut me dire. Donne mon agent de consultation. Faut te bouger, non, ce que tu as commencé là, il faut qu'on termine ça bien. Donc, donne mon agent pour commencer. Je nous donne le point. Tu vois, j'ai déjà fait la consultation. Je passe. Comme tu blagues, toi. Hey. Donne mon agent. Où je suis en train de te parler là, donne mon agent. Je vais donner le point. Allons dehors. Il y a les enfants dans la maison. Allons dehors, allons finir ça. Allons finir ça dehors. Donne mon argent. Je leur donnerai point. C'est de vraiment, on va continuer. Jesus is Lord!